gaz à effet de serre, polluants atmosphériques, bruit, réduire toutes ces nuisances dans un futur proche, tel est l'objectif annoncé par tous les professionnels du secteur aéronautique, à commencer par les constructeurs. Dans cette usine, sont assemblés des moteurs de dernière génération. Ils vont équiper des milliers d'avions pour les 30 prochaines années. Ces moteurs seraient moins lourds et donc moins polluants. En ce qui concerne les matériaux, il y a un élément très important dans ce moteur et qu'on voit sur l'avant de ce moteur qui constitue les aubes de soufflante et puis le carter qui est autour. C'est un procédé de composite avec des fibres de carbone tissées 3D dans un métier à tisser ordinaire et enduit de résine. Ça permet une amélioration très importante de la masse du moteur puisqu'on va gagner environ 500 kg par avion. Un ensemble d'améliorations techniques devrait permettre au final de réduire de 15% les émissions de CO2 et aussi réduire le bruit et les polluants atmosphériques, comme par exemple les oxydes d'azote. Un polluant toxique, dangereux pour la santé, qui peut impacter les riverains à des kilomètres à la ronde autour des aéroports. C'est le cas de Roissy-Charles-de-Gaulle, en Île-de-France. Ici, les cartes, ce sont des cartes de contribution, donc qui vont montrer en fait l'impact de l'aéroport pour les oxydes d'azote autour de cette zone. Donc on voit en fait, en moyenne, on a une distance d'impact de l'ordre de 6 km et jusqu'à 8 km dans ce secteur nord-est. Et de manière générale, 30% de ce que l'on va respirer provient de l'aéroport, les 70% étant un mix de trafic et de chauffage. Concernant les gaz à effet de serre, pour les réduire, une alternative, la seule vraiment mature, la production de biokérosène. Un carburant produit à partir de biomasse comme la paille ou le bois. Le biokérosène est d'origine renouvelable. Donc c'est basé sur le concept de neutralité carbone de la plante qui absorbe le CO2. On le transforme, on le convertit, on le brûle et ce CO2 émis va être réabsorbé par la plante. Donc c'est un cycle neutre d'un point de vue environnemental et on ne va pas extraire du carbone du sous-sol comme on le fait avec le fossile pour le mettre dans l'atmosphère. Déjà, de nombreux essais ont été réalisés avec succès. Toutefois, pour des raisons techniques, ce carburant doit être mélangé à du kérosène classique. Mais le vrai problème est financier. Ce biokérosène coûte 75 à 100% plus cher que le carburant standard. Et à ce jour, difficile de changer la donne. Dans le cas des biocarburants terrestres, ce différentiel de coût, il peut être pris au niveau des taxes, puisque tous les carburants de transport routier sont taxés dans le monde entier, avec un taux d'imposition plus ou moins élevé selon les pays, mais il y a toujours un taux d'imposition notable de taxes. Dans le cas du carburateur, on ne peut pas mettre de taxes, puisque depuis l'accord de Chicago de 1944, il est interdit de mettre des taxes. Donc c'est un produit qui est vendu sans aucune taxe. Et en gros, il est vendu le même prix dans le monde entier. Du coup, on ne peut pas jouer sur ce levier taxe. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est peu utilisé, parce que finalement, pour que ça puisse être utilisé, il faut trouver un accord finalement local entre le producteur, le consommateur, donc la compagnie aérienne, et puis les instances politiques, de façon à développer des incitations pour utiliser ce biocarburant. Situation de blocage donc pour la seule alternative au kérosène. Les aéronefs électriques ou solaires sont des prototypes plutôt conçus pour l'aviation légère. Aucune réelle perspective pour l'aviation commerciale. Du côté des aéroports, les exploitants peuvent agir sur leurs infrastructures pour réduire leurs pollutions diverses. Pour les besoins énergétiques de ces bâtiments, l'aéroport d'Orly est passé du charbon au gaz, puis à la géothermie. Nous voici à l'installation de géothermie, grâce à laquelle nous couvrons à peu près 30% des besoins de chaleur de la plateforme et 70% de la chaleur des aérogares. Cette installation nous permet d'économiser environ 9000 tonnes de CO2 chaque année. Nous avons devant nous les deux échangeurs
sur lequel l'eau puisée au fond du puits, à moins de 1000 mètres, vient fournir les calories qui seront ensuite distribuées sur les réseaux. Aussi, le dernier terminal construit très récemment, 10 000 m², a été certifié haute qualité environnementale. Parmi les systèmes innovants que nous avons mis en place dans ce bâtiment, nous avons ces totems de climatisation qui permettent de diffuser soit de l'air chaud, soit de l'air froid à faible vitesse, donc pour le confort des passagers, et permettent de climatiser un espace restreint et non à l'ensemble du volume de la jetée. En matière d'isolation du bâtiment, nous avons une isolation extérieure de près de 50 cm d'épaisseur, ce qui est relativement conséquent. Nous avons sur l'enveloppe des baies vitrées importantes qui permettent un apport de lumière naturelle et donc qui permettent de limiter les consommations d'électricité. Nous avons une casquette solaire qui limite les apports solaires en été. Les vitrages sont également performants en matière d'acoustique et de thermique. Des choix techniques qui ont permis, selon la direction, de réduire de 60% les émissions de CO2 par rapport à un aérogare classique. Direction le tarmac. Des prises ont été installées. Elles permettent aux avions d'être alimentés en électricité pendant leur escale. L'utilisation de ces prises 400 Hz permet à l'avion de ne pas utiliser son moteur auxiliaire qui fonctionne au kérosène et de ne pas utiliser de groupe électrogène que vous pouvez voir autour des avions et qui fonctionne au diesel. Avant, les avions laissaient tourner leur moteur auxiliaire pendant toute la durée de l'escale. Une mesure qui permet de réduire à la fois les émissions de CO2, les polluants atmosphériques et le bruit. Autre axe d'amélioration, le temps de roulage des aéronefs. De l'atterrissage au point de stationnement, puis à la piste de décollage. Des pratiques qui vont dans le bon sens selon les associations, mais c'est insuffisant. On ne peut pas être contre, simplement c'est complètement marginal par rapport donc aux véritables et importantes consommations de pétrole qui sont décollage et puis atterrissage aussi, mais surtout décollage. Problème, certaines mesures pour réduire la consommation de carburant peuvent contribuer à augmenter la pollution sonore. Bah, par exemple, rien qu'au décollage, pour le bruit, l'idéal c'est de décoller très vite, donc avec un angle important. Qui dit angle important dit on consomme plus. Donc typiquement, là on est dans le compromis à trouver entre les deux aspects. Par contre, il y a des mesures où c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire par exemple à l'atterrissage, si on limite les paliers, c'est-à-dire que si on généralise la descente continue, là on va gagner sur les deux aspects, on va réduire le bruit. Et on va réduire également la consommation de l'avion, puisqu'on aura moins de phases où on remet les gaz. Et voilà. La descente continue, une pratique qui devrait se développer dans les prochaines années. L'avion va descendre plus tard, et du fait qu'il descende plus tard, il y a un gain à niveau consommation de kérosène. Et comme il est plus haut et qu'il descend plus tard, les populations sont moins gênées par un avion à basse altitude, enfin dans la phase où il est à basse altitude. Et donc de ce fait, les nuisances sonores sont également diminuées. Une mesure qui pourrait réduire les impacts sur la population, mais pas si efficace pour les riverains les plus proches des aéroports. Alors, au niveau du bruit, pour les approches en Île-de-France, il y a eu quelques essais et quelques petits progrès de réalisés sur les descentes douces et les arrivées en lice. Malheureusement, pour toutes les personnes qui sont proches de l'aéroport comme moi, c'est-à-dire entre 0 et 20 km, les améliorations elles sont complètement nulles. Et malheureusement, avec le nombre de mouvements qui augmente, c'est même de pire en pire. Alors, l'aviation du futur sera-t-elle moins polluante? Les associations craignent surtout l'augmentation du trafic, et pour cause au niveau mondial, il augmente d'environ 5% par an. Airbus prévoit par exemple de doubler sa flotte en à peine 20 ans.